Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne que vous avez une information sans problème. Danger inondation sous département pays d'Haïti. Dimanche 23 octobre 2022, à paix congrégation jésuite dans l'église catholique romaine Kawas François mourit après qu'elle t'ait été Britsoukou. Père jésuite Kawas François, qui t'a gagné un doctorat en sociologie, t'es professeur à l'université de l'État d'Haïti, l'été tout directeur centre documentation et appui pour recherche CEDA. C'est dans date dimanche 6 novembre 2022, il a chanté dans Floride, pays États-Unis, enterrement musicien Michael Benjamin, qui t'a gagné un artiste Mika Ben. Mika Ben t'est mouri samedi 15 octobre 2022 à 41 l'année sous tête li, lequel t'est rété après elle t'est fin chanté dans un spectacle groupe musique haïtien Karimi dans ville Paris, capitale pays la France. Lundi 24 octobre 2022 à parquet tribunal civil au CAI, département Sud, découvrit cadavre journaliste Gary Tess, animateur émission Grand Lacouan sur radio Le Bon FM. C'est depuis mardi 18 octobre 2022 à Gary Tess t'est disparaître après elle t'est quitté la CAI li pour la animé émission Lian sur radio Le Bon FM. Bien bonheur mardi matin 25 octobre 2022 à Mounaxam blessé ak bal Robertson Alphonse, confrère journaliste dans radio Le Nouveliste ak radio Magique 9 dans bloc Delma 40B. Journaliste Alphonse a pris soin l'hôpital côté Utemenel après zak agression Salisibia qui la cause gros émotion ak gros choc nan mitan journaliste yo. Danger inondation sous département pays d'Haïti, on écoute collaborateur nous Ronald Colbert qui a porté plus de détails pour nous. Quantité la pluie qui a tombé dans jour ça yo capable faire de l'eau descendre tellement terre recevoir plus l'eau passer nécessaire yo d'après spécialistes haïtiens yo dans condition temps. Y a suivre ça qui a passé yo pour bay population information utile yo avertissement sous comportement comme ça doit tout monde de gagner yo comme ça capable gagner inondation dans département nord-est. Nord, Nord-Ouest, Latibonite, Sud-Est, Sud, Grand-Anse, Nip, Act Ouest, côté nous jouons zone métropolitaine Port-au-Prince. Tout le monde qui était dans le département ça yo doit respecter consignes sécurité nécessaires dans le moment gros activité la pli ça yo. Toujours gain humidité avec l'autre bouleverse dans le temps sous gros îles Caraïbes aujourd'hui. C'est en situation qui a bail coup de vent, bon gens activité la pli qui a tombé bien fort. Et puis qui a marché à l'oreille, dans l'après-midi à Kassoué, jusqu'à arriver mercredi 26 octobre 2022, sous tout département pays d'Haïti. C'est vrai, il y a soleil dans le matin, mais il y a nuages divers côtés sous département pays d'Haïti depuis le matin. Il y a nuages et puis temps pour le fermer dans l'après-midi à Kassoué. Justement, depuis le commencement de l'après-midi lundi 24 octobre 2022, temps te paraît fermé à nuages. La pluie a commencé à tomber sous plusieurs quartiers dans le département de l'Ouest. Sorti dans le niveau 34 degrés Celsius, température en pral descendre entre 25 pour 21 degrés Celsius dans souhait. Possibilité d'activité la pli qui marche à l'oreille sous la mer. C'est le capitaine bateau, Chalou Boafouye, doit continuer à prendre précautions nécessaires sous la mer pour tout le pays d'Haïti. Vague a monté dans le niveau 5 pieds hauteur, ni bokot nord, ni bokot sud, pays d'Haïti. Département Nip a prêté un cimetière pour tout bandit qui vini dans zone nan. C'est disons l'autre fois encore Jean-Ernest Muscadin qui c'est commissaire gouvernement Miragouane nan. Muscadin pas un problème pour dire li touye lundi 24 octobre 2022 Junior Myriel yote plus connait sous nom Zoriken nan Bekin premier section communale Miragouane département Nip pays d'Haïti. Li dit li était suspect Myriel comme yon moun qui était vinn caché dans zone nan. Après elle t'est fin déchepillé en femme. Je suis un homme, je suis tiré, finalement je suis pas fini, je finis par mourir. Je prends balle, je mourir. Jeune garçon, ça me gêne. Et je suis un petit junior. Je dis que c'est un junior Myriel. Je suis Matissan. J'ai gagné deux jours dans la ville là. Je suis des junior Myriel, je suis Matissan. Et je fais une certaine magarette. Je débarque acheter gaz pour le diable. Donc je suis gagné nos pieds des Oricains. Et non, ça a gagné pour monsieur depuis avant. Dans quelle zone, monsieur Defrise, Magaret? Defrise d'Amna, du côté de. Bon, entre Chalon et entre Cafou de Guesso et Berkin. Avec un soir, monsieur était cassé, une boutique, et face au petit, qui vend des cigarettes. Et c'est ça qui était cassé. Donc, pour dégager l'information sur monsieur, nous avons cherché monsieur. Bon,
et monsieur a peut-être venu moi nous finalement monsieur fini pas mal. Comme ça monsieur était tiré t'as braqué dame dans la main 38 pieds 38 mais nous saisis dame ça oui dame ça dans la main c'est pas comme ça pour bandit ni la sorti monsieur l'a pris maintenant après le signe c'est pour tel que soit qui nous a amené qui pensait être capable de tirer l'opération et dans l'échange de tir monsieur tombé exactement monsieur tiré sans réfléchir dans l'espace que monsieur tiré sans réfléchir nous balle monsieur. Mais est-ce que nous pas au courant que monsieur était gagné l'autre monde avec lui? Non, je dis c'est monsieur le seul monsieur. Et c'est les bandits qui ont cherché caché ou bien comme ça? Non, c'est Negio, bon, qui a bien tenté d'établir Bajo à terre. Dans un côté, monsieur Tombia, nous avons remarqué plusieurs convêtements là, où c'est un gamin là qui est caché. C'est ça, vous dites. Avant hier soir, nous avons passé la plusieurs convêtements pour Bajo monsieur. Mais finalement, l'homme se fait une fils d'âme, ni tiré, ni prédiction, l'homme que j'aime là. Bon, on a cherché monsieur, bon, monsieur tiré, nous repérer monsieur, finalement, monsieur finit par parler. Merci. Oui, merci. Dans le chapitre insécurité, situation la trouble aïlan toujours existé dans le pays d'Haïti, lundi 24 octobre 2022, sur route nationale numéro 1, à partir d'Amiens, dans Nord-Port-au-Prince, même bicyclette pas qu'à passer, aller ouais pour machine et motocyclette. À cause de barricade, personne monde pas capable de traverser zone ça, à cause de situation la trouble qui gagne dans zone là. Lundi 24 octobre 2022, il y a un soldat dominicain qui blessé en babal, un natif natal haïtien sous frontière en Sapit avec Pedernales dans Sud-Est Haïti, d'après journal dominicain Listina Diario. Citoyen haïtien Henri Francis Generio qui recevoir plusieurs cartouches en bas main un militaire dominicain dans corps spécialisé sous frontière entre République dominicaine. Alors que l'État revendique Douali dans marché binational là qui gagne majorité dominicaine qui l'a donné. Revendication ça yo pas fait soldat dominicain en plaisir en réaction li rale zamni li blessé gravement grave compatriote haïtien qui te gagne meni un couteau d'après ça journal la rapporté. Pour kounya victime n'a recevoir soin dans l'hôpital docteur Elio Fialio en attendant yo transférer li dans l'hôpital Haine Mota à cause situation li grave. Dans chapitre insécurité, lundi 24 octobre 2022, paquet tribunal civil au CAI, département SID, découvrit cadavre journaliste Garites, animateur émission Grand Lacouan sous radio Le Bon FM. C'est depuis mardi 18 octobre 2022, Garites te disparaît après il te quitté la CAI pour l'animer émission Lian sous radio Le Bon FM. Quelques temps après nouvelle l'amour Garites, plusieurs dizaines de monde te manifesté pour dénoncer ça y aurait les yon la mort suspecte. La police te utilisé gaz lacrymogène pour te capable gayer foule. Pas de manifestation ça, protestataire yo te dénoncé autorité dans ville d'après eux même qui t'a gain explication pour yo bail sous la mort journaliste Garites. N'a rappelé après constat légal cadavre là, commissaire gouvernement maître Ronald Richmond te bail l'ordre pour lever cadavre journaliste là qui pour kounya dans un morgue privé dans ville Okay. Toujours dans le chapitre insécurité. Bien bonheur, mardi matin 25 octobre 2022, à Mounaxam, blessé à Akbal, Robertson Alphonse, confrère journaliste dans Radio Le Nouveliste et Radio Magique 9, dans le bloc Delma 40B. Journaliste Alphonse a pris soin l'hôpital côté Yotemenel après Zak agression Sahar, l'ICBA, qui la cause gros émotion à gros choc dans mi-temps journaliste. En côté rédacteur en chef, journal Le Nouveliste là. Franz Duval, qui a porté plus de détails pour nous. Jean-Robertson Alphonse explique que matin, il était en route pour le travail dans Magic 9, pour te présenter le panel Magic. À 6h58, il était dans Delma 40B, zone rue Macadieu, et c'est là que l'attaque l'a faite, donc Mounazam descend aux machines et ouvert balle sur machine par là. Et Robertson était blessé dans deux bras, et bon moun nan quartier a Kevin Potel secours, il m'a répondu et tu voulu, il reprend machine là, il descend dans l'hôpital, bon, il joint soin, et d'accord, c'est ça, il explique nous comme circonstance événement, et après-midi encore, il opéré lui, ça fait deuxième opération, il fait pour journée, hein. Pour le moment, il a proposé lui, il a pensé remonter à la fois choc physique là, balio, et choc émotionnel là, et puis choc psychologique là. Équipe là, Ikounia. Bon, équipe la femme doit élever sous choc matin, hein, parce que Robertson bon l'heure arrivé dans la radio à chaque matin. L'heure est pas trop le matin, elle a commencé à réler, l'heure elle n'est pas répondre. Et c'est comme ça que l'inquiétude là a commencé à monter. Et nous avons cherché qu'on ait un côté lié, parce que la Kali a dit nous qu'elle a quitté la Kali, elle a le travail. Et bien, c'est comme ça que nous avons cherché, cherché. C'est lui-même qui vient réler, qui dit que lui blessé, lui l'hôpital, lui s'est subi en attaque. Nous connaissons les trois bonheurs, nous demandons qui ça a fait, qui ça nous compte faire, est-ce que nous comptons porter plainte?
Bon, on fait constat légal, la police a fait enquête. Bon, reste ça pas pour nous. Reste ça, c'est pour l'État. C'était rédacteur en chef journal Le Nouveliste là, Franz Duval. Secrétaire général Association Journaliste Haïtien UAJH Jacques Desosiers dit li condamné avec toute force li tentative assassinat qui fait sous journaliste Robertson Alphonse Lan bien bonnet mardi matin 25 octobre 2022. Jacques Desosiers pensait li trois bonnet pour ta konnen si li entré dans cadre insécurité généralisée ou bien si c'est une attaque qui ciblé. En côté secrétaire général AJH là Jacques Desosiers qui a porté plus de détails pour nous. Toute nouvelle qui choquait nous matin, on n'a pas apprendre que Robertson Alphonse journaliste, le nouveliste avec Magic 9, pendant le balané de l'émission qui est venu sous Magic Matin hein, et que il a attaqué dans la zone d'Elma 40B, côté que les machines recevaient plusieurs balles. Et même tout, l'hôpital a pris son instrument qui choquait nous et qui nous condamnait la toute force. Est-ce que nous sommes capables de dire que c'est des attaques ciblées? Est-ce que comment nous-mêmes nous voyons ça? Parce que nous avons constaté pendant 2 janvier à nos jours, quand les journalistes ont perdu la vie. Bon, il faut dire que depuis 2 janvier à nos jours, nous avons une situation de sécurité généralisée. Il y a un climat de sécurité qui s'aggrave chaque jour. Et que malheureusement, les journalistes sur les médias ne peuvent pas épargner de situations parce qu'ils vivent dans le pays à tout. Donc, pour ça que passe ce matin-là, il y a 3 bonheurs pour nous avancer, quelle continuité. Pour nous dire que est-ce que les entrées ou pas dans le cadre de sécurité généralisée ou de son bagage qui cible. Donc, les 3 bonheurs, on ne peut pas parler de ça. Et on va se poursuivre soin. On a plein de gens qui sont sortis de l'hôpital. Dans la compte que nous avons vraiment, est-ce que son attaque civile ou du moins son bagage qui fait partie de sécurité généralisée. C'est le secrétaire général AJH là, Jacques Desosiers. Président Association Nationale Média Haïtien UNMH Jacques Sampeur dit li apprendre à camper l'émotion et puis tristesse attaque qui fait sous Robertson Alphonse Lan dans journal Le Nouveliste avec Magic 9 Lan. Jacques Sampeur dit li regrette et puis li révoltant. Président à NMH là mandé une autre fois encore pour tout le monde réveiller yo et puis camper pour yo ka di non ak ça qui inacceptable yo. C'est une situation katouboumbe côté personne n'a pas épargné et puis côté l'État absent. En côté président NMH là, Jacques Sampeur qui a porté plus de détails pour nous. C'est encore avec consternation et tristesse, émotion, tout ça capable de penser et d'étonnement que nous apprenons tentative d'assassinat sous journaliste Robertson Alphonse de Magic 9 du journaliste. Et la paix de Ronsacre, c'est triste de voir que ils ont attaqué à des mondes de valeur et la pays a et pas une personne monde qui est exempt, pas une personne monde qui est à l'abri. Et quand on prend Robertson Alphonse, bah que vous-même personnellement comme je vous dis comme professionnel que Robertson Alphonse c'est un journaliste très professionnel et qui en pile culture, en pile information, en pile fair play surtout et fait l'émission brillamment. Ça va bien longtemps que c'est monsieur qui était l'un des modérateurs principaux de l'émission en réseau que ANMH a fait contre l'insécurité et tout ça. À côté que nous avons posé l'État question, l'État à côté, vous voyez, et tout ça. Et voilà que, et quelques mois plus tard, Robertson Alphonse qui est victime de l'insécurité et par des hommes armés sur sa voiture. Nous pensons que c'est déplorable et c'est révoltant et il faut que, encore une fois, que tout le monde se réveille, tout le monde se mette debout pour dire non à l'inacceptable. Nous apprenons tout que je découvre corps et sans vie du journaliste et Gary Tess et de Bon FM, voilà, des radios de Bon FM. Et tout ça, c'est déplorable que dans le métier, nous sommes morts, nous sommes blessés, nous sommes toutes bagailles. Vous voyez tout ça. Et c'est déplorable tout que nous constatons que il n'y a pas attaqué radio, il y a vous voyez, c'est un chaos côté que personne monde pas à l'abri et l'État est absent. Yon lot bo li rappelé c'est un pays qui livré à lui-même malgré gen moun k'ap crié une situation désespérée faut que la presse continue dit non ak ça yo pa jam ka accepter en côté Jacques Sampeur yon lot fois encore k'ap pote plus de détails pour nous. Le plus dur point c'est que l'État est absent, nous pas senti présence et l'État dans tout ça
et la justice déjà est à genoux, et l'occupé, l'espace est occupé par les bandits, et tout, c'est un pays qui est livré pratiquement à lui-même. Eh bien, il faut toujours rester debout. Il faut toujours rester debout et dire non à l'inacceptable. C'est pas du fait qu'il y a prié, il y a une ambiance et un climat désespéré, côté pour faire peur, côté que pour faire que au suspend parler, côté que pour faire que au suspend dit non, pour dire non, pour coucher. Il faut quand même se mettre debout et dire non. Quelles que soient les conditions, on dira non. N-O-N, non. C'était président NMH là, Jacques Sempeur. Ministère Kilti ak Communication dit la prendre avec un pile émotion nouvelle tentative d'assassinat qui fait bien bonnet nan madi matin 25 octobre 2022 nan Delma 40B sous journaliste de carrière Robertson Alphonse. Ministère Kilti ak Communication dit li souhaiter un bon rétablissement ak confrère journaliste lan pendant li témoigner totale solidarité li bon côté famille victime nan collaborateur yo même gens ak toute corporation qui touché après événement malheureux ça qui menace yon l'autre fois encore secteur la presse là dans pays d'Haïti. La nuit lundi 24 octobre 2022 après yote recevoir coup de force l'agent gang examen lagué sous 17 jours depuis yote dapi en pio Ralph Sénégal responsable SAM ambulance là ak chauffeur André Bazin yote kidnappé samedi 8 octobre 2022 à nan Gantier pas trop loin frontière Malpasse. Entre vendredi 21 octobre pour arriver mardi 25 octobre 2022, grand examen qui porte nom grand griffe déjà boulé puis passé 20 cailles en babouk Tirivière la Tibonite, ça qui la cause toute activité paralysée, tout business fermé dans Tirivière la Tibonite. Gang grand griffe a attaqué sans rité dans dernier jour ça yo. D'après un habitant dans commune Tirivière la Tibonite, c'est une situation kachouboumbe côté plusieurs familles obligées courir quitter kayo al refuge yo nan mon, sa ki kapab la cause yon gros situation grand goût nan Tirivye la Tibonite nan jou kap vini yo. An koute habitan sa kap pote plis detay pou nou. Ya sa yon te nap diyo la, yon plisye bombaye sifye mounen, yon plisye ka yon ki boule, yon plisye ka yon ki piye, yon moun di mouni, epi mta ka di pi fofon yon kite villa, epi bon moun pa kwe se pa ka sikile nan villa, mta ka di gen menas ki gen famine, ou gen gro grand goût, se sa mta do. Situation sa, sa ve di ke gen moun ki te gen plantasyon yo ki pa ka ale nan jardin, gen boutik ki oblige ferme. Donc comment situation est? Est-ce que ça capable la cause un gros grand goût dans zone Tirivière la Tibonite là? Bon, et même en forme de n'importe qui les communications quoi couper parce que pas une communication internet et digital qui passe déjà avec difficulté. Bon, oui, effectivement tout magasin fermé. Bon, c'est même pour mon tal badi, mais ne pas tal badi là ça va payer pas. Donc le moulin qui nous est payé dans un bar. Bon, mon deuxième bagage pour acheter, mon pas toute la section communale est entrée dans la ville zone. Parce que premièrement, pas de machine, pas de moto, vous êtes bloqué. Parce que c'était dernier recours, mon vous êtes bloqué ici. C'était dernier recours. Bandino, il a dû persister et signer qu'il a continué à persécuter la population. C'était un habitant dans la commune Tirivière la Tibonite. Dans le chapitre politique, détant l'annonce de mobilisation pour la poursuivre sur le territoire national, le parti politique Petit Dessaline a présenté sous nos pales Salrele, un conseil transition PEP souverain, 9 membres, qui est capable de permettre au pays d'Haïti de sortir de la crise Cap-Brassébile, pays depuis plusieurs années. D'après le secrétaire général Petit Dessaline, Jean-Charles Moïse, conseil transition PEP souverain, ça a gagné un mandat une année. Et puis, il a gagné 9 membres là-dedans. Le fait qu'on est, c'est Dr. Romain qui est spécialisé dans les sciences politiques, Capral présidé li, et puis ancien sénateur Edgar Leblanc-Fils comme président après. En écoute Jean-Charles Moïse pour plus de détails. Nous tous, nous des chita, nous choisissons 9 citoyens à partir des profils saillants, études qui fait sous le monde saillant, et nous choisissons ça qui pour diriger. Conseil là, ça qui pour tout vient même conseil là. Par conséquent, après tout secteur ça y a réuni, y a choisi madame ou bien docteur ingénieur Romain comme président conseil là. Et les gens Sevelli, son mari qui est énorme. Si un monde qui fait doctorat en sciences politiques, lui c'est une rectrice université. En même temps, lui-même, c'est une infirmière. Elle joint plusieurs décorations au niveau international. Et elle fait
ou bien passer dans toute université qui dans capitale là presque si on monde nous croit qui capable aider nous. Deuxième citoyen, nous choisi ancien sénateur Edgar Leblanc qui pour venir comme vice-président du conseil là ensemble avec l'autre monde pour citer là yo. Troisième lien, nous choisi Jacques Saint Joseph camarade qui a manifesté dans Okaï Nakin camarade qui a manifesté dans Jacques Mel camarade qui a manifesté dans Miagouane camarade qui a manifesté Léogan Tigouave Gangouave yo choisi yon camarade nous qui relè Val Jean-Eli c'est yon tout qui te réuni nous gros réunion. Yo choisi citoyen ça vinn joine nous dans conseil là. C'était secrétaire général Petit Dessalines Jean-Charles Moïse. Situation a continué engraver red marée mardi 25 octobre 2022 dans pays d'Haïti. Grand examio continue à simailler la terre, gen difficulté pour monde déplacer, joindre l'eau potable, prix manger yo ak produit, moun plus besoin yo a monter grade division tout partout. Ces gang exam yo ak tout si la kap supporter mauvais acte criminel yo ak l'argent qui la cause problème sécurité ak problème humanitaire qui rive nan yon niveau sans pareil nan pays d'Haïti. Ratman gaz la a persisté, gen difficulté pour moun joine médicament, manje ak glo sous territoire national la, c'est disons Union pays européen qui dit li bat bravo pour sanction Conseil sécurité Nations Unies a décidé de prendre vendredi 21 octobre 2022 à compte gang examio à compte tout silayo cap corio ak l'agent. Dans chapitre agriculture à partir mois janvier 2023 cap vinien pays d'Haïti pas capable voyer mango à vendre encore dans pays États-Unis à cause conditions sécurité yo qui en dégraba inspecteur la douane département agriculture américain yo pas capable vinn faire travail inspection yo sous qualité mango qui tape sorti Haïti yo moitié dans 10 pour rivé 13 millions dollars américains mango qui sorti Haïti yo qu'on rapporte chaque année té qu'on a joindre moun qui planté mango yo sous territoire national là. Bon Dieu capable mettre Haïti campé encore c'est thème 5 journées prière entre samedi 29 octobre pour rivé mercredi 2 novembre 2022 Fédération protestant d'Haïti dit l'a organisé sous territoire national là. Détant gouvernement de facto a prêté fourniger gardé sans pas prendre aucune disposition sur ce qui a passé dans le pays. Premier ministre de facto Ariel Henry dit dans un tweet li souhaité union pour faire face carré à crise plusieurs dimensions qu'a brassé le pays d'Haïtien. Dimanche 23 octobre 2022 à paix congrégation jésuite dans l'église catholique romaine Kawas François mouri après qu'elle térité Britsoukou. Père jésuite Kawas François qui te gen yon doctorat en sociologie te professeur dans l'université l'état d'Haïti a li te tout directeur centre documentation ak appui pour recherche CEDA. D'après information qui disponible li te hospitalisé dans l'hôpital Canapé Vert dans Port-au-Prince dimanche 23 octobre 2022 à cause yon malaise li te gagné. M'a crié départ yon ami yon camarade classe qui te ba nou en pile soutien et réconfort nan moment difficile yo d'après économiste Fritz Alphonse Jean nan yon tweet li fait lundi 24 octobre 2022. C'est nan date dimanche 6 novembre 2022 y a chanté nan Floride pays États-Unis enterrement musicien Michael Benjamin qui te gen nom artiste Mika Ben. Mika Ben te mouri samedi 15 octobre 2022 à 41 l'année sous tête li lesquels te rete après il te fin chanté nan un spectacle groupe musique haïtien Karimi nan ville Paris capitale pays la France. Pourtant famille Mika Ben envisager organiser une messe requiem nan mémoire défunt nan pays d'Haïti. N'a rappelé nan yon cérémonie hommage qui t'a faite nan zone la caille Mika Ben. Maman Mika Ben Roseline Dupou Benjamin te fait qu'on est dans cérémonie ça famille Benjamin a continué goumen pour pays d'Haïti. An koute yon extrait nan déclaration. Moi vle remercier nous chaque qui là pour geste ça qui touchait toute famille. Mika pa mouri. Mika pa mouri parce que nous là. Première musique Mika te composé c'était le 24 décembre. Et musique ça a montré que Mika tout chagrin li c'est que tout haïtien pas de capacité opportunité pas de chance pour capable vivre une vie
une vie qui est normale. Une vie que nous avons droit à gagner abondance. Mais je promets nous une bagaille. Moi là, avec Lionel, bon, nous ne connaissons pas, mais nous connaissons Lionel. Moi là avec Mélodie, moi là avec Tilionel. Et Mika pas mourir parce que Mika qui était au héritage, c'est chaque jour que nous dit, mes amis, est-ce que nous avons en fait tout ça, Mika Manden fini pour lui. Mika parti avec des qualités projets. Et moi-même, qui c'est maman, là où maman ouais petite a mouri, moi quand demande qui courage que mon cap gagne, mon cap parle avec Koelia, mais moi j'ai courage parce que moi j'ai bon Dieu dans vie moi. Et le message que je gagne pour tout le monde, c'est mettre bon Dieu dans la vie, nous faire bon bagaille. Mika, c'est musique vraiment qui fait que nous aimons. Mais c'est surtout gentillesse, la générosité, l'amour que je gagne pour tout le monde. Mika, c'est le monde qui a un cœur dans la main, il n'y a pas de monde à souffrir. Et nous-mêmes, la famille Benjamin, nous gagnons une mission, c'est que pour nous faire tout ça que nous connaissons pour que le pays ça change. C'était maman Mika Ben, Roselyne Dupour Benjamin. Lundi 24 octobre 2022, à l'occasion journée Nations Unies, plusieurs dizaines de monde manifesté dans la rue Port-au-Prince pour continuer à exiger démission Premier ministre de facto, Dr. Ariel Henry. Manifestant yo te profité longe douette sous mauvais résultat mission Nations Unies yo dans pays d'Haïti. Parmi manifestants yo gen ki te avec drapeau pays la Russie nan men yo ak pays la Chine, yo t'a mandé pour yo fourer bouche yo dans dossier pays d'Haïti. An koute yon extrait dans déclaration yon nan manifestant yo. Bien ça, c'était papa de Saline qui était pour nous. Après papa de Saline, nous grand monde, nous mettons. Et bien c'est une raison. Nous des États-Unis, nous parlons dans le Kobini. Et bien papa ici dans le sacré. Je te bon nous ministre, nous chasser. Je bon nous ministre, nous chasser. Nous avons une Colombie dans nous encore. Et bien c'est une raison. Nous prenons des Kobini pour nous dire. Et passons sous des papas nations qui c'est Jean-Jacques Dessalines. Nous pas besoin. Et bien c'est une raison. Nous disons monde qui remet pays yo, pour que flotter drapeau ça. Parce que nous pouvons indépendance en 1804, en 1821, la Russie prépare l'indépendance nous. Et bien c'est une raison. Nous disons pas les États-Unis. Comment faire un pays remont? Vous pouvez indépendance en 1804, reconnaître l'indépendance nous en 1964, après 60 ans. Et bien c'est une raison. Nous disons les États-Unis. La France quoi? Pour reconnaître l'indépendance nous, c'est PNDPO. Nous pas besoin d'un pays ça. Nous prenons monde. Nous avons 218 années depuis nous prenons monde. Nous coopérons avec pays nous voulons. Bienvenue la Russie. Bienvenue et la continue. Nous voulons coopérer ensemble avant. Parce que nous besoin de nous besoin de l'école. Nous besoin de faculté. Nous besoin de tout ça pour. Parce que si Haïti c'est paradis pour Négoléo, nous devons paradis pour Négoléo. C'était extrait. Dans déclaration, une manifestation lundi 24 octobre 2022. Avocat sans frontières Canada levé la voix sous mauvais conditions prisonniers yo yé nan prison pays d'Haïti yo côté yo pile sous pile yo pa joine de l'eau potable ak la manjaille détant infection ak l'autre maladie ap envahi yo yon situation ki pilonne constitution haïtien ak divers règlements internationaux sous protection droit moun d'après avocat sans frontières Canada. Dégradation sa vini nan contexte côté maladie choléra retourné et pi ta gen la cause pipiti 25 moun gen mouri nan prison civile Port-au-Prince. Yo ta suspect kek kato nan prison kwa de boukeyan dysfonctionnement appareil la justice lan ap engravé tribunal première instance Port-au-Prince yo toujours en bas main membre gang examio plusieurs coups d'appel tribunal de paix ak première instance vandalisé dans diverses juridictions même Jacques Gonaïve ak Tigouave. Face à constat ça avocat sans frontières Canada mandé autorité yo prend diverses mesures en urgence et puis efficace yon façon yo capable bataille contre augmentation prisonniers dans prison yo presque gen 11 000 moun qui actuellement dans prison dans pays d'Haïti. Quantité moun ki nan 4 principales prisons nan peyi an dépassé 400%. Avocat sans frontières Canada di li renouvelé engagement li pou li continuer accompagner prisonniers yo nan programme assistance judiciaire et puis bataille bon côté partenaires yo pour capable respecter droit haïtien yo nan pays d'Haïti. Dans chapitre la santé, plusieurs hôpitaux l'état ou privé nan Port-au-Prince pa gen oxygène
c'est conséquence ratman gaz lan qui a persisté depuis plusieurs mois sur territoire national là ak des gang examyo kal bloqué waf Lafitoa nan nord Port-au-Prince. Situation ça la cause en pile l'hôpital nan capitale là pas gen oxygène pour fonctionner. Ça qui est la cause gen en pile monde qui capable perdre la vie yo nan salle opération si yo pas gen oxygène pour respirer. Toujours dans le chapitre de la santé, sous 1700 cas suspects, monde qui trape maladie choléra, qui reparaît commencement mois octobre 2022, presque moitié là-dedans, c'est monde qui gagne moins passé 14 l'année, violence gang examio, ratement gaz là, à route qui barre yo, entrave passage, aide humanitaire à l'eau potable, même gens avec service, la soignaille pour monde qui malade yo, d'après Fondation Nations Unies pour tout monde, yo plus connaît sous nom UNICEF. Dans le chapitre l'éducation, union, normalien avec éducateur haïtien yo, Unoye plus association l'école privée yo dans pays d'Haïti yo chaque bon côté pa yo levé la voix sous activité l'école yo qui paraît l'ouvrir depuis 2 mois à cause situation Kachouboumbe pays d'Haïti plongé la donne depuis plusieurs mois. À peine entrée en fonction nouvelle première ministre italienne là Giorgia Meloni te gen premier tête à tête le dimanche soir avec un dirigeant étranger l'elle te rencontré Rome président français Emmanuel Macron qui prend engagement pour travailler avec li ak ambition mais tout vigilance. Jusqu'au bout, Elisea a été bien incertitude sous entretien qui a fait à l'abri caméra dans la centre capitale italienne pendant plus passé inédit. Rishi Sunak, c'est prochain premier ministre britannique, ancien ministre finance, a remporté lundi Kouslan dans Downing Street, côté remplacé Liz Truss, et puis promettre stabilité et unité dans un pays qui a fait face à une crise économique et politique. À 42 l'année, richissime ex-banquier qui a un parcours typique dans l'élite britannique, là, vini plus jeune chef gouvernement dans l'histoire contemporaine au Royaume-Uni, mais tout premier origine indienne. Grand favori, li imposé la pré-renonciation ancien premier ministre Boris Johnson ak échec adversaire Penny Mordaunt après une campagne éclair démission Liz Truss déclenché, li même qui victime après 44 jours en poste, tempête financière. Projet baisse impôts non financiers provoqué. L'autre information, député libanais échoué pour 4e fois lundi 24 octobre, Lyon successeur à président Michel Aoun, côté mandat a expiré dans une semaine. Parlement divisé en deux camps, sa Hezbollah pour Iranien, mais tout opposant. Yo. Liban a dirigé le veillon vide politique, faute candidat pour jouer une majorité voix dans Parlement, côté aucun camp a disposé une clé majorité. Député Michel Mouad, qui a PC réuni voix quand opposé Hezbollah, joint 39 votes lundi, qui loin 86 voix qui nécessaire pour élire dans premier tour. Et puis, vaccin contre COVID, puis Pfizer, dans pas trop longtemps, 4 fois plus cher pays États-Unis. Géant pharmaceutique américain a annoncé jeudi, il vise un prix vente entre 110 et 130 dollars la dose, nan, une fois programme achat actuel gouvernement américain expiré et puis stock épuisé, soit à partir de 2023. Jodi an li coûte $30 dose lan ak administration américaine. Nan santé, stress, dépression ak solitude, se nouveau facteur COVID-19 ki long lan an coûte Marie Farah Fortuny ka fè un ramasse pou nou. COVID long lan ki touche plusieurs millions moun nan tout monde lan, ta gen rapport ak santé mentale patient yo. D'après une étude qui publié nan revue scientifique JAMA Psychiatrie, Slate relayé fatigue chronique, troubles psychologiques ou bien essoufflement qui persiste plusieurs mois, voire plusieurs années après avoir contracté le coronavirus, n'a rien à voir avec stress, anxiété, dépression, mais tout solitude. D'après les gens qui ont fait recherche, qui à l'origine de l'étude, facteur stress est capable de plus prédictif concernant les infections dans COVID, comorbidité physique, tant qu'antécédent hypertension, diabète, hypercholestérolémie, asthme et cancer, d'après sa science alerte rapportée. Andrea Roberts, spécialiste en neuroépidémiologie dans l'université Harvard, estime moun yo pa pran troub sa yo au sérieux, jan yo ta dwe pran condition santé physique. Li vini lè sa important pour examiner santé psychologique et ça soulevé en pile question sur importance identification mais tout traitement problème santé mentale.
Rishi Sunak, Rachel 3 chargé pour former un gouvernement, vini mardi officiellement premier ministre britannique, troisième en deux mois, dans un pays qui a fait face à une grave crise économique mais tout sociale. Ancien banquier et puis ministre finance, Rishi Sunak vini premier dirigeant britannique origine indienne, confession hindoue, mais tout premier originaire d'une ancienne colonie britannique. À 40 l'année, lycée tout, puis jeune chef gouvernement histoire contemporaine Royaume-Uni après ascension dans la politique. L'histoire s'est précédée. C'est il n'a pas les Buckingham là pour présenter Bayroa démission après un mandat qui était duré 49 jours. Un jour après les fin prêté serment capitaine Ibrahim Traoré qui investit président transition désigné comme premier ministre Apollinaire Joachim Kyelem Tambela, lycéen avocat 64 l'année, président un sec réflexion dans pays, il met tout critique bilan lieutenant colonel Damiba qui était renversé 30 septembre passé. Pas trop longtemps, il était exprimé dans la presse soutien à nouvel homme fort Ouagadougou. L'autre information pour Pipiti 16, mon jeune nom, après passage cyclone Citrang dans le sud du pays Bangladesh, côté 1 million de monde était évacué dans la région Basse-Terre dans la nuit, d'après sa autorité, au fait qu'on est mardi 25 octobre. 14 monde mouri fort, c'est à cause de pieds bois qui tombaient, et puis de l'autre, dans le naufrage d'un bateau sur rivière Jamuna dans notre pays. D'après ça, Jibounaha, responsable gouvernemental, n'a fait AFP compte. Ne qu'il si chef orchestre tchèque là, fait voilà pour payer son chapeau. Écoutez Marie Farah Fortuné qui a pour des plus de détails pour nous. Chef orchestre tchèque Libor Pesek, qui dirigeait Liverpool Royal Philharmonic Orchestra, pendant une décennie, mourir à 89 l'année d'après sa ministre tchèque Kilti, en fait qu'on est lundi. Il y a un plus éminent chef orchestre tchèque Libor Pesek mourir. C'est ça, ministre Martin Baksa annoncé dans un tweet. La mort fait dimanche d'après presse tchèque. Pesek né Prague dans l'année 1933. Il était chef orchestre royal Liverpool Philharmonic Orchestra entre 1987 et 1997. Il était tout dirigé orchestre Pays-Bas et puis était chef d'orchestre Philharmonique tchèque entre 1981 et 1990. Dans l'année 1996, reine Elisabeth II était nommé le chevalier commandé en pays britannique.